Salut les amis, un temps bien belge ici en Belgique. Il pleut comme vous pouvez le voir. Alors imaginez-vous, il y a un tout petit enfant à côté de vous qui renverse son plateau. Comment vous auriez réagi? Alors à votre avis, ici à Bruxelles, est-ce qu'il reste encore un peu d'humanité? Est-ce que les gens vont venir aider nos petits acteurs du jour? Eh bien, on vous propose de vérifier tout ça en expérience sociale. Would you react? Ciao! I think she was blocked, so nobody go for her, so I tried, but it was a natural reaction, I think. Ouais, je vais jeter ça à la poubelle. Comment vous avez réagi? Moi, au début, je voulais rigoler, c'est normal. Ouais. Mais après, je sais pas, c'est une petite, j'ai un petit frère, donc c'est normal, j'ai déjà l'aidé. Mais j'avoue que j'allais rigoler, mais j'allais l'aider ensuite. Mais c'est surtout elle qui. Non, c'est pas parce que je suis une fille. Elle est petite et tout, je vais pas la laisser dans la galère toute seule. Bah, je pense qu'ils se sentent rassurés si on ramasse déjà pour eux. Ok. Est-ce qu'il y a ma grande sœur? Tiens, pas grave. C'est à toi? Tes parents sont où? Ils sont là-bas. Attends, moi j'ai fait ça quand même. Tu as acheté toute seule? Non. C'est une question de compassion, moi je pense. C'est juste une question de compassion. Mais... avec l'amour de Dieu. Elle a fait une petite erreur et voilà, ça peut arriver à tout le monde. Donc, et en plus, c'est une petite fille, donc il faut l'aider. Donc, voilà. Juste parce que c'est une petite fille, est-ce que si c'était un petit garçon ou un adulte, vous feriez la même chose? Ah, aussi? Oui, bien sûr, oui.
obligation de l'aider. Puis j'ai vu qu'il n'y avait personne autour de lui non plus en train de l'aider. Donc du fait que vous travaillez pour McDonald's, vous avez une obligation. Mais si vous ne travaillez pas? Non, ça aurait été pareil. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after. I got facts over facts over tracks. En ville, les gens ne se regardent pas, ne se parlent pas, ne se disent pas bonjour, il faut qu'ils avancent vite. Ce sont tous des éléments qui peuvent nous faire perdre notre côté humain. Nous pouvons tous perdre notre humanité et il n'y a pas d'âge pour se rappeler qu'on a un cœur, être touché par les autres. Et oui, certainement, les jeunes et les adolescents peuvent aussi être acteurs de la société, favoriser le lien social. Peut-être que les gens qui n'interviennent pas ont considéré que rien de grave ne s'était passé selon eux. Quand ils font une bêtise ou qu'ils ont un accident, qu'ils commettent une erreur, ils peuvent très vite le ressentir en termes de « je suis nul ». On peut être compréhensif, lui dire qu'il n'a pas fait exprès. Les enfants ont souvent besoin de dire « j'ai pas fait exprès ». Donc ils ont besoin d'être reconnus dans le fait que c'est un accident et que ça peut arriver. Je pense que plus vite on peut les aider à réparer l'accident, plus vite ce sera oublié pour l'enfant. En tant que parents, nous avons aussi peut-être une responsabilité d'apprendre certaines choses à nos enfants. La première, c'est d'apprendre à demander de l'aide. Surtout les hommes sont mal à l'aise d'intervenir pour aider un enfant. Et donc ça peut aider les adultes à intervenir, que l'enfant vienne demander de l'aide.